J'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo critique à deux. Comment vas-tu, mon frère? Ça va, parfait. Ça y est, nous sommes allés voir le dernier Matrix hier dimanche. Donc, tu es prêt pour la critique? Je suis prêt. Donc, c'est parti pour la critique Matrix Résurrection. Neo Trinity! J'ai vu tout ça dans mon rêve. Matrix Résurrection était une des plus grosses attentes 2021. En tout cas, nous, on l'attendait vraiment avec impatience parce que David, on adore la trilogie. Pour moi, c'est une trilogie qui est quasiment parfaite. Il y a un début, un milieu et une fin. Donc, pour moi, c'était vraiment une trilogie que j'adorais. Et il y a quelques années, quand on nous avait annoncé qu'ils allaient réaliser et produire un Matrix numéro 4, je me suis dit, est-ce que ça va être nécessaire? Alors là, j'étais pas sûr. Et quand on a vu les premières bandes annonces, moi, la première bande annonce, comme vous le savez, m'avait laissé un petit peu de glace. Et quand j'ai vu la deuxième, je me suis dit, ouais, ça va peut-être pouvoir le faire. Et donc, nous sommes allés voir Matrix, il n'y a pas plus tard qu'hier, le 25 décembre. Donc, tu commences ou je commence? Je commence. Bon, je vais commencer. Alors, c'est un film que j'ai trouvé moyennement bien. Et pourtant, je voulais l'aimer, ce film. Voilà, comme je vous disais à un instant, je suis un grand fan de la trilogie. Original et là malheureusement j'ai trouvé que le film était sympathique. Il y a des bonnes choses, malheureusement il y a des moins bonnes choses. Donc nous suivons les aventures, ça se passe 60 ans après. On retrouve Neo dans une nouvelle matrice, parce que bon, ça c'est pas un spoil hein, voilà, parce que on va parler du film. Bon, au bout d'un moment ça va être très dur de parler de ce film sans spoiler, donc on vous préviendra au moment où on va spoiler le film. Pour l'instant, vous pouvez rester, mais voilà, on vous préviendra, vous inquiétez pas. Donc, le film se passe 60 ans après. Nous retrouvons Thomas Anderson, donc Neo, qui évolue de nouveau dans une nouvelle matrice. Il est concepteur de jeux vidéo. Tout a l'air d'aller bien pour lui, en tout cas matériellement. Mais on sent que Thomas Anderson n'est pas bien dans sa peau, il est dépressif. Il va voir un psychiatre qui lui prescrit toujours les pilules bleues pour qu'il reste dans la matrice. Mais non, Neo est tout le temps en train de rêver à une femme, donc Trinity, une femme qu'il est persuadé d'avoir connue dans une autre vie, et il va tout faire pour la retrouver. Voilà en gros l'histoire de Matrix Résurrection. Alors, c'est un film, c'est un énorme film, voilà, c'est un énorme soufflé, un énorme gâteau, que Lana Wachowski nous donne, voilà, un gâteau assez lourd, voilà, on a énormément de l'histoire est assez dense et aussi très méta, voilà, donc ça fait du bien par rapport à ce qu'on a en ce moment d'avoir un scénario digne de ce nom, parce que c'est vrai que ces derniers Ghostbusters, on a eu des scénarios pré-digérés, pré-mâchés, avec des histoires qui tenaient sur un ticket de métro. Là, enfin, on a droit à un scénario digne de ce nom, mais un petit peu trop dense, qui, pour moi, est un défaut dans son histoire. La première partie est plutôt bonne. Voilà, moi, j'ai aimé les premières une heure un quart. Franchement, j'ai vraiment pris mon pied. On retrouvait donc Thomas Anderson, Neo, dans cette nouvelle matrice. On sent qu'il y a un truc qui ne va pas.
Voilà, il n'arrête pas de rêver à une femme qu'il ne connaît absolument pas. Et il a en permanence des flashbacks de sa vie passée, voilà, de sa vie de Néo dans la première trilogie. Donc on a tout le temps des flashbacks pendant tout le long du film. Et franchement, oui, la première partie du film était vraiment très très bien. En termes de réalisation, bon, fini ce petit côté vert, enfin ce filtre vert. Ce filtre vert qui avait fait la popularité de la première trilogie Matrix, là, c'est complètement terminé parce que on a droit à une photographie beaucoup plus éclairée, beaucoup plus solaire, parce que déjà beaucoup de scènes se passent la journée et un petit peu moins la nuit. Donc la photographie a complètement changé. Bon, la réalisation est plutôt potable. Au terme des scènes d'action, alors on a des scènes d'action qui sont vraiment très très jolies, d'autres un petit peu moins jolies. On a beaucoup moins de scènes de karaté, voilà, parce que dans la première trilogie, vous savez très bien qu'on avait droit à des grosses scènes de karaté super bien chorégraphiées. Là, malheureusement, dans ce nouveau Matrix, le chorégraphe de la première trilogie n'est pas là, et franchement, ça se sent, voilà, on a tous les combats qui sont en plan serré comme ça, et qui sont vraiment moins percutants, moins beaux. On a beaucoup plus droit à des gunfights, donc on n'a pas beaucoup d'action dans la première partie du film. Voilà, on redécouvre un petit peu Neo dans cette nouvelle matrice, on se demande ce qui lui arrive, voilà, pourquoi il pense en permanence à Trinity, et franchement, la première partie était vraiment très très bien. Jusqu'à au moment où, bon, là on va commencer à spoiler parce que ça va être très dur pour continuer à faire la critique. Donc 1, 2, 3, spoil. Donc le film est très bien jusqu'à 1h15 du film, jusqu'au moment où Neo se réveille de son cocon. Donc t'as des personnages du film qui viennent réveiller Neo de son cocon, donc qui sort de son cocon, et là Neo découvre que Sion n'existe plus, qu'il y a une nouvelle ville qui a remplacé Sion, que les machines et les hommes ont fait un espèce de pacte pour vivre en paix, voilà. Donc on a des nouveaux personnages qui arrivent avec qui ont fait un pacte avec les machines, et à ce moment-là le film s'embourbe complètement dans une espèce de d'histoire méta. Voilà, on a Lana Wachowski nous emmène dans un tunnel d'explications, de bavardage, mais qui a des questions posées surtout. Ouais, énormément de questions posées, etc. Qui alourdit son film. Au bout d'un moment, on lui dit bon bah écoute, ça y est, on a compris ton histoire. Maintenant, mets la seconde parce que voilà, ça devient un petit peu chiant. Donc le film est assez mal dosé en termes de scènes d'action et en termes de son récit. Voilà, c'est assez mal dosé. On a énormément de personnages de la trilogie qui reviennent et qui ne servent strictement à rien. Ce sont que des personnages fonctionnels. Voilà, on a le Nérovingien qui revient par exemple. Et franchement, la prestation de Lambert Wilson, bon, c'est pas Lambert Wilson, mais le Nérovingien ne sert strictement à rien. Il arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe, en plein milieu du film. Il est juste là pour gueuler, pour dire ses insultes, mais bite boucou, salope, etc. Donc c'est complètement risible. On a aussi l'agent Smith qui revient, qui ne sert pas du tout le propos. On apprend simplement que c'est le némésis de Néo. On a un méchant qui est plutôt sympa, mais qui arrive comme ça par simonie. On le voit au début du film et on le voit à la fin. Et moi, ce qui m'a vraiment sorti du film, c'est ce tunnel de dialogue que Lana Wachowski nous gratifie, voilà, qui elle nous explique en permanence l'histoire, en nous mettant en plus des flashbacks en permanence pendant tout le long du film. Voilà, on a des extraits de la première trilogie qui est sympa au début, et au bout d'un moment on a envie de lui dire bon écoute, écoute ma grande, on a compris, ça y est, t'as pas besoin de nous mettre des flashbacks de la première trilogie, ça y est, on a compris où tu veux nous emmener. Et c'est malheureux parce que le film était vraiment très très bien au début du film. On suivait vraiment avec plaisir Neo et Trinity, parce que encore une fois, c'est une grande histoire d'amour, voilà, ce qui a été déjà le cas dans la première trilogie. Donc, on nous retrouvons donc Neo et Trinity qui se recherchent parce qu'en fait, ils s'aiment, voilà. C'est des c'est
C'est des personnes qui ne peuvent pas vivre l'une sans l'autre. Et d'ailleurs, c'est le cœur du film. Et d'ailleurs, c'est le cœur du film. Par contre, un truc que j'ai bien aimé, c'est le sous-test qu'elle a mis dans son film. Cette critique qu'elle a donnée dans le film à propos de notre société. Donc voilà. Donc au bout d'un moment, il y a un mot qui revient en permanence, c'est mouton. Voilà, plusieurs personnages le disent dans le film, mouton. Et c'est une réflexion directe à notre société, notre rapport qu'on peut avoir avec les ordinateurs, les smartphones, tous ces réseaux sociaux où on est devenu complètement accro. On peut pas passer un quart d'heure sans regarder notre portable. Et franchement, cette critique sur la société était, j'ai trouvé que c'était vraiment très très bienvenu. Aussi, on a droit à une critique sur Hollywood, parce qu'à un moment, t'as Neo qui est un programmeur de jeux vidéo, et à un moment, il travaille pour la Warner, et la Warner veut absolument réaliser un quatrième jeu Matrix, et lui, il n'est pas du tout d'accord, donc c'est un reflet de la société, c'est une critique sur Hollywood des années 2000, voilà, où il faut absolument faire des suites, des reboots, et franchement, c'est franchement bienvenu, mais tout ça en fait un film surgonflé comme ça, vraiment trop indigeste. Alors, je l'ai bien aimé, hein. Je pense que je le verrai une deuxième fois, parce que c'est un film qui a le mérite de, voilà, il faut qu'on le voir plusieurs fois vraiment pour l'apprécier. Mais voilà, pour moi, ça a été un pétard mouillé. J'aurais aimé vous dire que c'est un excellent film. C'est un bon film, mais pas plus. Voilà ce que je pouvais dire sur le film. Et toi, qu'est-ce que tu as pensé du film, donc ? Eh ben, t'as tout à fait raison. On est d'accord sur la critique du film. Moi, je vais recommencer depuis le début. Alors, je vais parler de la réalisation. Alors, la réalisation est quand même très correcte. C'est très moderne. Oui, donc, on quitte la première trilogie d'origine. On est dans une réalisation qui est beaucoup plus actuelle, donc avec des plans de caméra beaucoup plus zoomés sur les visages, comme tu avais dit, beaucoup plus resserrés. Et puis une photographie, c'est pareil, très lumineuse, très solaire. Donc de ce côté-là, on est tout à fait d'accord. Et puis ensuite, comme tu as dit dans la première partie, c'est vraiment génial. C'est vraiment génial parce que voilà, on sent toute la tristesse du personnage, on sent aussi toute l'ambiguïté aussi de cette société qui est toujours un peu renfermée de geeks. J'ai même vu aussi quelques punchlines, quelques humours aussi dans cette première heure, qui est quand même parsemée comme ça dans la première partie. C'est une partie de geek aussi, hein. On parle beaucoup de jeux vidéo, donc la première trilogie Matrix. Et puis aussi ces scènes d'action, parce que la scène d'action dans le train est vraiment, on peut pas dire qu'elle soit originale, mais en tout cas c'est dans un endroit confiné où la violence est très graphique. Moi j'ai adoré cette scène là, franchement c'est peut-être une des meilleures du film. Ouais, c'est vrai. Toute cette première partie où Neo est encore dans cette matrice, où il se pose beaucoup de questions, on se pose beaucoup de questions nous-mêmes, hein, donc c'est vrai que c'est très très réussi. Et à partir de une heure un quart, effectivement, le réveil de Neo dans le monde réel, et là ça va commencer à s'embourber avec des explications, comme tu disais, avec beaucoup de questions posées, beaucoup de bavardages. Et là, on retrouve un Matrix plutôt classique, avec toujours cette photographie qui est très différente, toujours très lumineuse, avec des couleurs rouges. Un peu moins, parce que là, on se retrouve dans le monde réel. Mais les couleurs ont changé, hein. C'est plus ce filtre vert, mais plutôt rouge, orangé. Et là, oui, ça. Même les robots ont beaucoup changé, hein, le concept des robots. Hein, c'est voilà. Et on reprend aussi des scènes emblématiques de la saga, du premier Matrix, qu'on retrouve dans cette deuxième partie. Et ça fait que tout ça, plus des tunnels de dialogue, bien sûr, on va arriver vers les personnages. C'est vrai, neurovagien. Voilà. Et lui, il est quand même assez caricatural. Voilà, il est là sans être là. Il a pas beaucoup d'importance. Il apparaît comme ça sur un voilà. C'est ça. Par contre, la scène de j'ai bien aimé, c'est le combat entre Spice et Neo. Même si j'ai trouvé que le combat était beaucoup moins joli et beaucoup moins bien chorégraphié que dans la première trilogie.
Voilà, donc, mais c'est assez brutal, et puis il y a un petit peu de nostalgie aussi. Sinon, les acteurs jouent bien. Moi, j'ai pas trouvé que les acteurs étaient à la ramasse. Voilà, c'est très différent, c'est une interprétation très différente. Et puis, pour arriver, bien sûr, la scène finale, voilà, où t'as tous ces bots, là, qui sont des bombes à retardement. Alors, cette fois-ci, on a le droit à des agents au début du film. C'est bizarre parce qu'il les place au début du film, un peu pour le fin de film, pour dire, voilà, c'était mieux avant. Et puis, à la fin, les agents sont remplacés par des boots, qui sont des espèces de zombies pour les programmes. Voilà, on prend n'importe qui, on les programme, et ça devient des ennemis de Neo et de Trinity. Donc cette belle course de moto est bien, mais ça manque de corps, de punch, d'originalité aussi. C'est vraiment très très classique tout ça. Il y a beaucoup de gunfight, par contre, il y a beaucoup moins de combats, il y a beaucoup plus de gunfight, t'avais tout à fait raison. Voilà. Donc comme Vincent, j'aurais préféré adorer ce film et me prendre une claque. Malheureusement, première partie vraiment très intéressante, très méta, très geek, et une deuxième partie beaucoup plus. On revient dans la tradition des Matrix, mais en beaucoup moins intéressant, et beaucoup trop long et beaucoup trop bavardage. C'est vraiment dommage. Mais je pense que, comme Vincent dit, on le revoit peut-être une deuxième fois pour lui donner plus de chance, mais c'est vraiment dommage. Oui, moi, il va falloir que je le revoie au moins deux, voire trois fois, parce que je pense que j'ai raté des trucs. Mais c'est vrai que cette première partie est beaucoup mieux que cette deuxième. On a beaucoup de personnages comme ça qui reviennent. On a Morpheus, par exemple, qui revient, qui est pas vraiment un Morpheus. Et malheureusement, l'acteur, il a beau essayer de faire ce qu'il peut, mais il n'arrive pas du tout à la cheville de Lawrence Fishburne. L'acteur qui joue aussi Smith, il est plutôt bon, mais c'est pareil, il n'arrive pas à faire oublier Hugo Willin, excusez-moi si j'écorche son nom, mais voilà, on a des personnages comme ça qui arrivent dans cette deuxième partie de film. On a énormément de personnages, mais qui ne servent strictement à rien. Ce sont que des personnages fonctionnels qui est là pour brosser dans le sens du poil le fan de Matrix, parce que c'est vrai que Matrix Résurrection, c'est quand même un gros fan film quand même. Pas toujours, mais très 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 souvent, c'est quand même un gros fan film quand même qui on a droit à des flashbacks en permanence du film, donc ça nous fait rappeler en permanence ce qu'on a aimé dans la première trilogie, donc on est quand même dans un gros fan film par moment, et c'est ça qui est dommage. Voilà, on va encore revenir une dernière fois dessus, mais c'est ça, c'est énorme ventre mou au milieu du film, là, son tunnel de dialogue. Elle nous explique et réexplique son scénario qu'on a déjà pigé au début du film, parce que l'histoire n'est pas si compliquée de ça, mais elle essaie comme ça de mettre de la densité à son scénario qui en avait pas besoin. Voilà, je pense qu'elle aurait fait un scénario beaucoup plus simple, ça aurait aussi bien passé. Donc voilà, pour nous deux, ça a été un film un petit peu un pétard mouillé. Voilà, ça a été un très bon film. Voilà, on le mettra pas dans notre flop pour autant, mais voilà, c'est le Matrix le moins bon des quatre. Parce que moi, voilà, je vous le redis, pour moi, la première trilogie est parfaite. Aussi pour toi, je pense. Oui. Il n'y a pas. Il y avait un début, un milieu, une fin. Et ce quatrième épisode, elle a voulu réinventer Matrix en nous apportant à la fois de la fraîcheur et aussi un peu de nostalgie. Beaucoup de nostalgie. Et puis nous envoyer, de réinventer aussi bien dans la photographie que dans la réalisation. Malheureusement, c'est à moitié réussi. On va le redécouvrir pour lui redonner une deuxième chance. Donc on verra bien. Voilà, je vais peut-être le réhabiliter dans les prochains mois. Voilà, il faut vraiment que je digère cette première diffusion, enfin cette première vision, et je verrai après par la suite ce que va me rapporter le film. Voilà, j'y arriver. Donc voilà, j'espère que notre grande vidéo vous aura plu. Likez, abonnez-vous. Envoyez des commentaires, dites-nous ce que vous avez pensé, vous, de Matrix Résurrection. On vous répondra toujours avec plaisir. Et on vous dit à très très bientôt. Salut, ciao les amis.